c'est la vie. Je suis présidente du Festival de Tau, qui au départ ne s'appelait pas Festival de Tau. Il s'appelait Festival de Jazz à Metz, effectivement, parce qu'il a démarré plutôt avec des groupes orientés jazz, plutôt. Mais dès 92, nous avons invité Rakiré, qui effectivement fait partie de la longue liste des groupes cubains. Donc, on fait découvrir la musique cubaine, qui a eu un très grand succès durant ces 10 premières années. Ces chansons sont interprétées de manière traditionnelle. J'essaye de maintenir cette vérité. Car elle permet de mieux comprendre l'histoire musicale de Cuba. Jardín hermoso, recuerdos del pasado. Au début, le festival, c'était quelque chose de très convivial. C'était un groupe de copains qui aimaient la musique, qui aimaient la peinture, qui aimaient danser et qui n'étaient pas prétentieux et qui avaient envie de se retrouver pour créer quelque chose. Maman. Le festival de Tau, à ses débuts, c'était tout petit, puisqu'en fait, c'était 2 soirs au bord de l'eau, parce qu'on a toujours choisi les sites pour faire découvrir cet endroit qui est très beau, au bord de la lagune de Tau. Et c'était très convivial, avec toujours ce qui perdure, des producteurs d'huîtres, de moules et de vin. En matière de succès, il ne faut pas être pressé. Je suis encore jeune. La popularité en France de ma compatriote Cesaria Evora me fait très plaisir, car en réalité, c'est un peu le succès de toutes les musiques venues du Cap-Vert. En 93, on programme Cesaria Evora, qui n'est pas connue à l'époque. Ça paraît incroyable. C'est une de ses premières tournées en France. Je suis allée la chercher à la gare, elle est venue avec ses musiciens. C'était le moment aussi où en fait on avait une proximité avec les artistes qui était vraiment assez naturelle et assez simple en fait. Pierre Vassilou, que l'on connaissait depuis longtemps, venait à chaque édition, a été également programmé. Et puis a accepté de venir et d'être le parrain du festival. Donc ça aussi, c'est important à noter, puisqu'en fait, après, il est venu vraiment à chaque édition et présenter les artistes. Et c'est vrai que d'avoir une personnalité comme lui, un chanteur connu qui faisait de la chanson française, mais qui était vraiment très, très attiré par beaucoup, beaucoup de musique dans le monde, nous a aussi aidé à choisir des groupes. C'était quand même quelque chose de vraiment bien pour le festival d'avoir un parrain comme celui-ci. Harmonie sur le port, fanfare sur la péniche, caravane d'exposition d'artistes, sculpteurs, peintres, animations en périphérie, dégustation gratuite de produits locaux, le festival de Tau évolue, s'agrandit, s'étoffe. Les décors ont changé, l'emplacement de la scène a changé un peu. Et on est vraiment revenu à la musique ethnique, c'est ce qu'on voulait faire. C'est vrai que ça nous coûte un peu plus, surtout à Monique Tessier qui organise le festival, parce que la plupart des gens sont inconnus ici et des stars dans leur pays. Donc il faut les faire connaître et les gens ne sont pas habitués à nouveau à se déplacer pour de la musique traditionnelle. Et là vraiment elle a découvert des trucs inouïs, on se régale, je pense qu'on va avoir le cœur qui va battre. À partir des années 2000, effectivement on est sur le site qui est le site actuel, qui est un très grand site, très beau, mais assez difficile à équiper, puisqu'en fait il y a à peu près 6000 m² à équiper. Et effectivement c'est pas neutre, hein, parce que c'est quand même assez coûteux. Même si le résultat est reconnu, hein, et à la fois par la presse et par le public, parce qu'à l'époque, on avait des tentes caïdales, on avait beaucoup d'éléments très colorés qui faisaient un petit peu voyager. Et je crois que le public a beaucoup aimé cette période, et nous aussi d'ailleurs. On
on a fait le choix d'étendre le festival, de ne pas rester que sur Metz et de l'étendre au bassin de Thau, puisqu'en fait, d'où le nom, hein, l'idée à l'époque, c'était effectivement d'avoir un festival de territoire qui se déplace, itinérant, et qui finalement voilà, est connu sur tout le territoire et permet aussi dans des petites communes d'exister et de faire découvrir les musiques au plus grand nombre. On va essayer de mélanger un petit peu nos émotions, nos sensations, et puis le cadre est idyllique. Et il paraît que les huîtres sont magnifiques. Pour moi, artiste de la région, ce festival, c'est un rendez-vous incontournable dans l'été. C'est un des festivals les plus agréables de toute la saison. C'est vraiment le sud de la France, avec tout ce qu'il y a de plus agréable tout autour du bassin de Thau. Je pense que ce qui caractérise ce festival, ce qui en fait son succès, c'est son implantation sur le territoire, tout autour du bassin de Thau. Et c'est ce qui en fait vraiment un des moments les plus agréables de l'été. Ce que je n'oublierai jamais, c'est le concert en première partie de Salif Keïta en 2006, avec 75 choristes. Et puis des orages tout autour, sur tout le bassin, dans toute la région, il y avait des orages, on voyait tous les éclairs, on n'était même pas sûr de pouvoir monter sur scène, il y a même eu quelques gouttes. Et puis finalement le concert a bien eu lieu, je crois qu'il a plu partout, sauf sur nous, quoi. Ce que je peux dire de cette période, je ne peux pas bien sûr oublier qu'on a fait venir Bachou, et ça c'était en 2008. Et effectivement, c'est là aussi où on voit qu'on ne fait pas, on ne programme pas que des musiques du monde. On programme également des artistes, de grands artistes de chansons françaises. On avait fait venir aussi Arnaud. Et c'est vrai que Bachung, ben, c'est particulier, hein, puisque c'est un très très grand artiste que je voulais faire venir depuis très longtemps. Ça a été un très très grand moment, un moment où il y a eu le plus de monde sur ce site. Hein. Je crois qu'on a atteint presque 4000 personnes. C'est là aussi où on a vu à quel point c'était quand même difficile de gérer tout ça. Merci. Les artistes ont toujours aimé le Festival de Thau. Des sculpteurs ont amené de magnifiques sculptures. Je pense qu'on a été les premiers dans le quartier à faire ça, juste pour par plaisir. Il y a des peintres aussi qui ont montré leur travail. Et ça montre l'esprit d'ouverture et de créativité du festival. C'est l'anniversaire des 20 ans du festival. Effectivement, nous construisons une édition très, très particulière, une édition anniversaire, assez grande, importante, avec en particulier symboliquement l'installation d'un chapiteau, d'un très beau chapiteau en bambou autoporté, avec 20 mâts qui représentent voilà, les 20 bougies. On fait venir des artistes connus comme Gilberto Gil, Youssou N'Dour, Manu Dibango. Ah là 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 là. Quel décor paradisiaque, bord des temps, la lune, public de fou, ce soir c'est pas tôt, ce soir c'est chaud. Le bruit de la pluie sur le bitume empreinte des sous-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est l'argent sont dans l'erreur, si on met les euros de côté, pas les... En 2011, on fait venir Ben Oncle Soul, qui est l'artiste repéré du moment. Et heureusement, on a fait là une bonne touche, on va dire, puisque ça a été vraiment un succès énorme. Alors sur le Festival de Thau, au-delà de la musique, on a essayé de travailler un peu en matière de ce qu'on appelle du développement durable, du développement soutenable, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui viennent ici, à un moment donné, puissent aussi avoir quelques temps pour réfléchir un petit peu. Si nous avions plusieurs planètes, on dirait une fois qu'on a épuisé celle-là, on ira ailleurs.
Mais malheureusement, heureusement peut-être, que nous n'avons que cette planète, ce qui fait qu'il y a une interpellation nouvelle pour faire émerger une nouvelle perception de l'existence et de la vie. Le Festival de Tau, il a toujours eu un fort souci de préserver l'environnement naturel dans lequel il se trouve. C'est quelque chose qui a vraiment qui a marqué la vie de l'association et ses acteurs depuis 30 ans, depuis le début. Et de fait, il a été assez pionnier dans la mise en place d'actions qui protègent l'environnement. Depuis 2019, on s'est lancé dans une démarche zéro plastique à usage unique. On a supprimé en 2019 la quasi-totalité des bouteilles en plastique du festival, ce qui était un certain challenge. Le Festival de Tau, c'est un festival qui a des valeurs fortes. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce qu'on entreprend tous ensemble. Et ces valeurs fortes, elles se basent sur l'idée de préserver notre environnement et d'être de participer à la transition écologique et solidaire. On essaie quand même toujours de faire venir des artistes du monde entier. On a fait venir donc les Amazones d'Afrique, Calypso Rose. On essaie toujours de garder quand même ce fil conducteur. Les femmes et l'Afrique sont à l'honneur ce soir. Alors les Amazones d'Afrique, c'est un groupe de 10 femmes maliennes. Elles ne sont pas armées, hein. Toutefois elles ont un micro et avec leur micro, elles entendent dénoncer les violences faites aux femmes sur le continent africain, mais aussi dans le monde entier. Donc dans cette période, on travaille beaucoup aussi avec nos partenaires à essayer d'inventer et d'imaginer et de créer de nouvelles activités tout au long de l'année. Ensuite aussi en 2014, on crée un dispositif qui s'appelle le Silo pour aider les musiciens régionaux à créer. Alors le Silo, c'est le centre de création dédié aux musiques du monde et aux musiques traditionnelles qui accompagne donc de nombreux artistes musiciens basés en Occitanie, issus de ces esthétiques donc des musiques du monde et des musiques traditionnelles. C'est quand même une fierté de se dire qu'on arrive à 30 ans avec toute cette aventure. Moi, quand je parle depuis le début jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est une évolution incroyable. Et alors qu'au début, quand on a lancé ça, jamais on aurait imaginé que ça puisse durer 30 ans. Un festival, c'est un bureau, bien sûr, des artistes, des techniciens, mais aussi et surtout des bénévoles. Et sans cette communauté, la machine, elle ne peut pas fonctionner. Les bénévoles sont des pierres précieuses, comme dirait notre parrain Pierre Vassilou. Et à Tau, chaque année, des nouveaux embarquent et viennent grossir le noyau de fidèles qui portent la mémoire et les valeurs de Tau.